exploitant jusqu'à la mort ceux qui l'ont construit. Vous serez à la hauteur ? J'ai visité des dizaines de châteaux et des centaines de manoirs un peu partout, et ils se ressemblent tous. Le palais du duc ne peut pas être pire que les après-midi mondains de Lady Brisby. Assassiner le duc Abel n'est pas une fin en soi. Vous devez aussi découvrir ce qu'il garde si précieusement pour Delilah. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert dans le manoir de Stilton, et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère ? Mais quand vous serez à l'intérieur du Grand Palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaca. Ne l'oubliez pas. Tous ceux qui osent s'interposer entre le duc Abel et moi vont le regretter. Je les tuerai tous, jusqu'au dernier. On peut mettre le cap sur le palais ? On peut y aller. Le duc vit en permanence avec sa doublure. Un sosie censé tromper les assassins. Une amie qui travaille à la lingerie m'a dit que son sosie fumait, si ça peut vous aider. Vous devriez peut-être essayer de lui parler. Elle a dit que c'était un brave type. Se faire passer pour un tyran comme le duc Lucas Abel, ça doit être vraiment merdique comme boulot. Je ne comprends pas comment les gens supportent le duc. Il possède toute une armée. Il contrôle la mine et il a le soutien de la capitale. Invité à sa table, les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la cour tout en essayant de se couler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier inondé. Je sais que vous avez eu la vie dure, Meghan. J'irais souvent à travers Dunwall incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaca m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Après avoir éliminé le duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. Je viendrai vous récupérer à bord du canot. C'est pas le marché municipal ici. Quand la marchandise arrive, faut qu'elle parte aussi sec, ça doit pas traîner. Il y a trop de risques que la grande garde fasse une descente. Il était légitime, il y en a une.
dans les livraisons à la boutique. Betty a peur de se faire pincer. Le gars qui tient la baraque est nerveux. Mais il faudrait au moins qu'on puisse décharger le bateau directement. J'ai un ami à la boutique. Un gars qui gère la protection du marché noir depuis des années, à Karnaka et à Culero. C'est garanti sans risque. Comment il s'appelle, ton ami? Ça, je le garde pour moi. Ces gars traitent avec moi et personne d'autre. Sécurité de l'emploi, tu comprends? Une bière après ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je lui ai dit je sais combien de fois que ce n'est pas à moi d'inspecter les broyeurs. Des fois, je crois qu'elle fait exprès d'être sourde. Ces bottes ne sont pas à ma pointure. Il m'en faut une nouvelle paire. Plus personne ne peut... Couvre un peu. Qu'est-ce que c'était ? Je sais que t'es là. Pas la peine de te cacher. Tiens, merde ! Ma jambe !
pas, je ramène des cigares. Vous en voudrez un? D'accord. Hé, ouvrez-moi. J'ai le mot de passe, mais je l'ai oublié sur le bateau. On ne fait pas d'exception. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous ne passez pas. Ordre du patron. Ouvrez la porte, bordel! Vous savez très bien que je ne le ferai pas. Vous perdez votre temps. Ceux qui les courtisent dans leur palais. Te sens-tu plus à ton aise, Majesté? Veux-tu vraiment laisser le quart de ton empire aux mains de ces gens? Non? Ça ne semblait pas te déranger avant. Peut-être est-ce différent, vu de près? Peut-être qu'ici, tu ne peux plus ignorer ce qu'endure chaque jour le peuple en dehors du palais. Quoi qu'il en soit, je sais ce que tu viens chercher. Le cœur que tu possèdes ne peut accueillir qu'un seul esprit à la fois. Alors, si tu veux emporter un fragment de Delilah, tu dois être prêt à faire un sacrifice.
période bizarre. Il faut toujours rester sur ses gardes. Cette histoire me met les nerfs en pelote. J'ai jamais été aussi anxieux. Bordel ! Que l'outsider me porte chance ! Nom d'un chien ! Se plaindre que tout va mal depuis que le duc a succédé à son père. Thank you.
Chérie, tout le monde est méchant, comme je vous l'ai dit. Non, oui. Tant que vous ne me refaites rien. Allez ! Montrez-vous, où que vous soyez ! Viens de là-bas. Thank you.
Il a mis la pagaille partout. Et qui est-ce qui doit ranger tout ça? Moi, bien sûr. Comme toujours. Mmh.